Ça t'arrive jamais de chercher à connaître la vérité? Ce que tu fais là, et surtout pourquoi? Moi je mène l'enquête, toc toc, qui est là? Un lézard? Un pédophile? Montre-toi. Non, je crois qu'il n'y a plus personne, non. Paul? Paul? Personne, personne me répond, alors je reste avec mes questions. Est-ce que Béatrice Dalle a faim? Et est-ce que Nathalie Baye a sommeil? Je sais pas. Est-ce que Gérard Depardieu a des droits divins? Et est-ce que Michel Sapin a les boules? J'en sais rien, j'en ai marre de ces questions qui trottent sans cesse dans ma tête. Et au fait, Bonaparte, il était en studio ou en duplex, hein? Est-ce que Marie-Georges Buffet est commode? Est-ce que Robert Rue est super? Est-ce qu'on tourne en rond sur le carrousel? Est-ce que Valérie Giscard d'Estaing était fataliste et Michel séropositif? Toujours je me pose ces questions. J'ose les questions qui fusent, qui passent, qui partent, mais qui reviennent. Toujours la même rengaine. Puis je me dis qu'au fond, c'est pas plus mal. Si t'y réfléchis bien, bah, mieux vaut se questionner que tout gober. Pas vrai? Quand tu penses à ces moutons qui bouffent leur merde dans une gamelle et qui se font tondre sans réagir par les élites du système, moi, ça me donne envie de dégueuler. Si tu veux pas qu'on te prenne pour un con, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que Jacques Martin est pêcheur? Et est-ce que Roselyne Bachelot a une piscine intérieure? Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que bébé porte des couches? Et est-ce que Julien Doré prend des douches? On ne le dit pas ça, on ne le dit pas. J'en peux plus de ces questions qui sont là, qui ne me lâchent pas du matin jusqu'au soir. Et est-ce que Didier Bourdon a le cafard? Hein? Je sais pas. Est-ce que Bonnem a des gros seins et qui est la chèvre de Philippe Seguin? Aucune idée, je pose la question, c'est tout. Est-ce qu'Erel Sharon est Stone? Et est-ce que Stone est Chardin? C'est pas net ça. Non, ça c'est pas net. Je peux demander à Calin, Philippe Poutou. Et au fait, Léa, c'est tout. Et est-ce que Bobby la pointe dans les clous? Encore je me pose des questions, j'ose des questions qui stressent, qui restent, qui pèsent, qui ne se taisent. Toujours le même malaise, puis je me dis qu'au fond c'est pas plus mal. Si tu réfléchis bien, mieux vaut se questionner que c'est enculé, hein. C'est vrai, quand tu penses à tous ces bouffons qui se rôtissent le soir dans les rues qui sentent la pisse, pour oublier un instant qu'ils ne sont qu'un petit rouage de la matrice, moi ça me donne envie de gerber. Si tu veux sortir de l'illusion, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que Jean Moulin est dans le vent? Et est-ce qu'Emile Louis nous entend? Je sais pas, j'en sais rien. À quoi Klaus Barbie aimait jouer? Et est-ce qu'Amine Dada est sur mon bidet? Je crois pas, ça serait bizarre quand même. Est-ce que Christian Clavier sourit? Et quand est-ce que Manu Chao est parti? On me l'a pas dit. Est-ce qu'il y a une crotte dans Josiane Balasco? Et faut-il applaudir Christine Bravo? Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'Eddie De Preto est à l'heure? Est-ce que Pomme a des verres? Est-ce que Jeff Bezos est nécrophile? Est-ce que Vladimir Poutine a la frite molle recouverte de fromage qui fait couic couic? Est-ce que Brigitte Fontaine est potable? Est-ce que Marie Laforêt boit? Est-ce qu'elle se gratte, France Gall? Est-ce que Maître Gims est avocat? Est-ce qu'Isabelle Boulet est canon? Et est-ce que Marc Lavoine a du blé? Est-ce que Bernard Tapie avait les jetons? Marlène Schiappa est-elle constipée? Et ouais, je me pose des questions. Moi, j'ose des questions qui fâchent, qui agacent, que je me rabâche. Toujours les mêmes angoisses, mais je fermerai pas ma gueule. Tu m'écoutes, le gouvernement judéo-pédo-sataniste va te faire Jean-Claude Bourré. Est-ce que Jean Dujardin est à court? Et est-ce qu'Alexandre Lamy a des croûtes? Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que Renault est une épave? Et est-ce que Tintin, ses cheveux, hein, on sait pas. Est-ce qu'il y en a Nakamura bientôt en sautant du Pont-Aignan? Est-ce que Bernard Laporte est fermé? Et est-ce que Danny Briand s'astique? Est-ce qu'Alain Juppé a baissé son pantalon? Et est-ce qu'Alain Prost se tâte pendant que Chantal Lobby nous met la pression? On nous le dit pas. Est-ce que Philippe est un coup? Et Pierre Laval? Et est-ce qu'Agnès Jouy quand Jean-Pierre Bacri? Et Alain Chabat, est-ce qu'il travaille le samedi? Est-ce qu'on chante quand Jordan Bardella? Et est-ce que Thierry Lhermitte vit seul? Et Kamel Wally, oui ou pas? Est-ce que Miro est aveugle? Est-ce que Jeff Beck est dans l'eau? Est-ce que Jules Ferry nous a mis en bateau? Est-ce que Mathilde saignait à des règles? Est-ce qu'avant Patrick Chan était un gland? Est-ce que Marc Dutroux roule des pelles? Et est-ce que Manuel Valls a trois temps?